Bonjour, sweetie pie. How are you today? I am reading you a book now, but first I want you to see if you can. A certain little munchie. This is Gabby and Malcolm. Oh, I hope you can see this because they're sort of like, oops, I pushed it the wrong way. I'm sorry about this. I slipped in my hand. They're hugging each other. They're hugging each other. And this is little Munchie. Her eye is a little bit bad still, but she's got the medication now. This Munchie's right there. Munchie. Okay, Munchie. Now we're going to read a book. Okay, sweetie pie? Okay, sweetie pie. She's not opening her eye at all, but we went to the vet. Got medicine for it. Now I'm going to read you a book. Now. Mais maintenant, je lis en français. Bon? Oui, c'est bon, bien sûr. Pourquoi pas? The French do that a lot. Why not? Pourquoi pas? Bon. Et maintenant, le livre, il s'appelle Mystère et Chocolat. Mystère et Chocolat. Oui, c'est bon. Elle s'appelle Sidonie. Sidonie Plumier. Bon. Mystère et chocolat. Elle mange une pièce de chocolat. Oui. Elle mange une pièce de chocolat. Bon, ici, la photo, un camion, et maintenant, premier étage, Monsieur et Madame Plumier. Premier étage, il se passe des choses absolument fantastique au 59 bis rue Léon Robinet. Mais surtout, n'en parlez à personne. Motus top secret. C'est Sidonie Plumier qui a tout découvert. Et voici comment. Un jour, Sidonie et ses parents arrivent au 59 bis rue Léon Robinet avec un camion de déménagement. Ici, le camion déménagement. Ils vont habiter au premier étage. Premier étage. Les déménageurs montent les meubles, les caisses, les cartons dans l'appartement et ils s'en vont. Peu de temps après, Sidonie entend qu'on gratte à la porte. Qui gratte à la porte? C'est la concierge. Madame Ratichon, la concierge, Madame Ratichon. Elle entre en trottinant et elle dit, Monsieur et Madame Plumier, je vous apporte les clés de la cave et puis je voulais vous demander. Oui? Madame Ratichon jette autour d'elle des regards peureux. Les regards peureux. She's frightened. Et elle jette autour d'elle des regards peureux. Vous n'avez rien remarqué d'abnormal chez vous?
Et elle ajoute en baissant la voix. Parce qu'il faut que je vous prévienne. Il se passe des choses bizarres à tous les étages. Tous les étages, des choses bizarres. Sidonie s'approche pour mieux entendre. Ça a l'air passionnant. Tenez, au deuxième étage, il y a ce pauvre monsieur Targette qui a toujours le visage verdâtre. Je me demande si on n'est pas en train de l'empoisonner. In the middle of being poisoned. Et au troisième, ce n'est pas mieux. Les locataires sont invisibles. Locataires is tenants. People who live there. So the landlady has come to warn them about some very weird things. Et au troisième, ce n'est pas mieux. Les locataires sont invisibles. Invisibles? On ne peut pas les voir. C'est étrange. Ce sont les matouchas. On ne les voit jamais. Jamais, jamais. On ne les voit jamais. Can never see them because they're invisible. Des fantômes, dit Sidonie. Peut-être bien. Et au quatrième étage, il y a Madame Traboulet, l'épicière, the grocer. Eh bien, figurez-vous que cette femme reçoit chaque semaine en grand secret le Maharaja de Ralaboul. Curieux, non? Curieux? Et au cinquième, vous n'allez pas me croire. Pourtant, c'est vrai. Les locataires marchent au plafond. Walk on the ceiling? Les locataires marchent au plafond. Enfin, au sixième, il y a Monsieur Caliban, un homme qui ne dort jamais. C'est éclairé chez lui jour et nuit. Éclairé, bright. Chez lui jour et nuit. Mais le pire, the worst. C'est « Quoi? Quoi? » demande Sidonie. « C'est le monstre! » C'est le monstre! Et celui-là, je ne sais même où il habite. Il pousse des rugissements épouvantables au milieu de la nuit. I think that's horrible, roaring sounds. Quand je l'entends, je me mets du coton dans les oreilles et je me réfugie sous mon lit, under my bed, sous mon lit. Là-dessus, Madame Ratichon pose un baiser sur la joue, baisser, to kiss. Madame Ratichon pose un baiser sur la joue de Sidonie, joue, chic. Et elle repart en trottinant vers sa loge. Monsieur et Madame Plumier rigolent et déclarent qu'elle déraille, rigolait, et déclare qu'elle déroulait. C'est un peu fou,
pendant qu'il range les affaires, Sidonie se met à fouiller l'appartement. While they're arranging things, she begins to tidy up the apartment. Elle espère bien. But where was it? Pendant qu'il range les affaires, Sidonie se met à fouiller l'appartement. Elle espère bien trouver quelque chose de bizarre. Oui, elle veut qu'il y a quelque chose de bizarre. Et elle y arrive. Qu'est-ce qui se passe? Dans la cheminée du salon. Cheminée, fireplace. Du salon. Elle découvre une tablette de chocolat toute neuve. All new. Elle examine l'emballage, the wrapping. Il est bleu et il porte simplement ces mots. Déliciel, chocolat au lait sur fin. Tiens, je ne connais pas cette marque. C'est peut-être nouveau. She doesn't know that packaging. Sidonie grignote un carré de chocolat. Puis un autre. Puis une barre entière. Toute. Fameux. Délicieux, ce délicieux. Monsieur Plumier surgit à ce moment. Sidonie, où as-tu trouvé cette tablette de chocolat? Son père dit, Sidonie, où as-tu trouvé cette tablette de chocolat? Dans la cheminée. Elle a dû tomber de chez les voisins par le conduit. Monsieur Plumier fronce les sourcils. Il fronce les sourcils. Tiens, c'est curieux. Enfin, va vite la rendre et excuse-toi de l'avoir entamée. Sidonie obéit. Il dit à elle, va vite la rendre et excuse-toi de l'avoir entamée. But go, you know, find them and excuse yourself for having eaten it. Sidonie obéit. Et là, voilà qui monte au deuxième étage chez l'homme au visage verdâtre. The man with the greenish face. Au visage verdâtre. Au visage verdâtre. Bon. La prochaine fois, nous commençons à lire ici, le deuxième étage. Mais pour maintenant, c'est bon. Mystère et chocolat. Je t'adore. Je t'embrasse. Pardon. I hope you have a wonderful day. Mon petit chéri. I love you, sweetie pie. Bye bye.